Salut, salut, ici Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage ma journée de gestion de poids. Comment est-ce que depuis l'année 2019, je bagarre pour avoir un poids santé et ayant changé le nom de la chaîne de Anne Abulon à Plaisir Keto, maintenant ça va aussi être beaucoup focalisé sur les recettes pour vous donner des idées de comment vous pouvez faire, vous alimenter, préparer en mode keto. Et aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur une journée type keto. Comment est-ce que ma journée se passe? Je mange deux fois par jour, mais je ne vais pas filmer que les repas. Je vais présenter en fait les temps forts de ma journée depuis le réveil, ce que je fais. Je me suis levée il y a quelques temps, je pense autour de 6 heures. Tout le monde dort encore. Je suis la première qui est debout, qui suis debout. Et donc là, je vais, quand je me lève, je commence par assaisonner des viandes. Et ici, j'ai une dinde fumée. Donc, je vais découper ça et l'assaisonner. C'est une cuisse de dinde. Je vais l'assaisonner et je vais aussi faire du poisson fumé. J'ai eu la critique que je ne mange pas beaucoup africain. Je mange africain. Je mange africain, mais je ne prépare pas africain chaque jour parce que très souvent, les repas sont assez lourds, surtout au niveau des compléments. Et ça prend aussi beaucoup de temps de faire les recettes traditionnelles. Donc, en semaine, j'essaie de faire vraiment des choses qui ne prennent pas trop de temps, des choses rapides. Le week-end, ou deux fois par jour, je peux faire ça. Mais nous sommes en semaine, mais je vais faire aujourd'hui le gombo, la sauce gombo avec donc, la viande fumée, le poisson fumé et le foufou. Et pour moi, je vais faire le foufou adapté, un foufou adapté, un foufou au chou pour le rendre keto friendly. Donc vous verrez ça à ce moment là. Pour le moment, je vais assaisonner et pour que ça soit prêt d'ici l'après-midi quand je prépare. Donc ici, j'ai la dinde découpée que j'ai légèrement assaisonnée parce que ça vient déjà un peu assaisonné, donc je ne mets pas trop, juste un petit peu de sel, de poivre, un petit peu très léger et d'épices. Et voilà le poisson fumé que j'ai aussi nettoyé et trempé dans l'eau parce que c'est un petit peu dur. Donc ça c'est prêt, je vais mettre au frais et voilà. C'est le temps de la gym, donc après je descends faire un petit peu d'exercice. Et ici j'ai plusieurs poids, donc là je pense c'est 22 livres et là c'est 15 livres chacun. Et j'ai 10 livres ici et 7 livres, je pense que je vais utiliser ça aujourd'hui dans l'exercice d'aujourd'hui. C'est parti. Premier repas de la journée, je vais faire un chocolat chaud, il fait froid. Donc sur le site, il y a la recette de mon chocolat chaud keto. Ici, j'ai mis la poudre de cacao, collagène, la poudre MCM, TCM. J'ai aussi mis ça comme ma bonne amie.
m'a donné. Donc, je vais mettre le lait d'amande. Je vais chauffer et mettre un petit peu de crème. Donc, je vais faire aussi 2 œufs. Donc, j'ai mes 2 œufs là et avec du bacon. Je pense que je vais mettre des épinards dans l'œuf, un peu d'épinards. Bon, donc, en général, le premier repas, je le fais un peu style petit déjeuner. Et je vais tester aujourd'hui. Ça, c'est mon pain keto que j'ai fait moi-même. J'ai fait le pain moi-même. Et je vais tester ce chocolat. Je vais tester ce chocolat que ma bonne amie m'a donné. Ça, c'est au lait. Chocolat au lait. Donc, c'est fait avec de la citrouille. Au lieu de l'huile de palme, c'est fait avec de la citrouille. Et je vais tester avec celui au chocolat noir. Ici. Il y a un peu de sucre, mais c'est pas trop. Je vois qu'il y a 4 grammes de sucre. Donc, pour une cuillère à soupe, on a 130 calories. Et les glucides total, 6 grammes. Et en net, je pense c'est 4 grammes parce que je vois c'est 5 grammes. Ouais, c'est pas pire, mais bon, c'est pas 100% keto, mais c'est vraiment mieux que le chocolat pur sucre du commerce. Donc, je vais tester ça au goût et puis voilà, je vais vous dire. Alors, on va goûter et avoir les impressions. Très bon. Donc, en fin de compte, mon premier repas, ça sera donc cette omelette avec les épinards et notre test du chocolat à la citrouille, choco-citrouille et mon chocolat chaud keto que j'ai fait. Donc, c'est ça pour le premier repas. Alors, pour le deuxième repas, j'ai rappelé la viande que j'avais découpée le matin et assaisonnée. Donc, c'est ça ici avec le poisson fumé. Je vais mettre les oignons. Donc, je vais laisser cuire un petit peu. Ensuite, je mettrai le gombo. Bon, ça, je vais l'émincer parce que j'utilise cet outil de Tupperware pour émincer. Donc, je tire et ça devient vraiment fin. Donc, ça prend la texture vraiment d'un gombo découpé. C'est le raccourci. Donc, et puis pour le foufou, la semoule, j'ai la semoule ici pour. Pour la famille, ils vont avoir la semoule. Et pour moi, je vais tester aujourd'hui le foufou de chou. Donc, j'ai acheté ce sac de chou que je vais donc tester avec. Et je vais utiliser comme collant la poudre, l'enveloppe de psyllium que j'ai ici. Et aussi le hot fiber. Ça, c'est tout à fait keto. Bien que ce soit l'avoine. Donc ici, vous pouvez voir les glucides, c'est juste 3 grammes. Et donc, c'est en fait des fibres. Donc, c'est différent de l'avoine traditionnelle. Là, c'est vraiment les fibres même. Donc, ça peut servir de collant. Et à la fin, vous verrez ce que ça va donner. Donc, le deuxième repas de la journée, ça va être bientôt prêt. Alors, pour terminer, voilà le rendu final de ma sauce gombo avec le foufou version keto.
Donc, on voit que dans la sauce, il y a de viande, la viande et le poisson fumé. Chez nous, on dit que ce sont des obstacles et donc on appelle ça foufou, enfin, sauce obstaclée pour dire qu'il y a beaucoup de viande. Et pour les autres, c'est ici. Donc, pour les autres, j'ai fait leur foufou là et c'est bon. Donc, c'est ça mon deuxième repas. Et je pense que je vais aussi prendre mon reste de biscuits que j'ai testé dernièrement et j'ai posté sur le site. J'en ai encore deux. Donc, ce sera ça pour dessert. On va voir. C'est encore croustillant. Donc, c'est ça. Alors, voilà une journée keto type. Alors, j'espère que cette journée, une journée keto dans ma vie, vous a intéressé. Avec les grandes lignes de comment est-ce que je passe ma journée en mode keto, les deux repas de la journée et tout, et toutes les autres petites choses qui se passent. Aujourd'hui en particulier, il n'y a pas eu grand événement, c'était juste au travail et puis le manger. Et voilà, nous sommes rendus au soir, je vais manger mon dîner et puis je vais voir pour la suite. Donc, en tout cas, si un tel contenu vous intéresse, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous souhaite de passer des bons moments. Je vous souhaite de vous nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye.